Seigneur, c'est avec vous. Et avec vos esprits. Nous sommes rassemblés en ce premier vendredi de notre temps de carême. Nous voulons vivre le chemin de croix qui est une des voies indiquées pour faire pénitence et pour se convertir. Le chemin de croix est le chemin de conversion, mais aussi de lutte contre la COVID-19. Il est un mini pèlerinage, même en étant sur place, confiné à la maison, ou là où nous sommes, en cette heure de travail, au bureau. Une marche de foi, au cœur de laquelle, au cours de laquelle, nous mettons notre pied dans les pieds de Jésus qui a parcouru le chemin du Golgotha. Cette démarche de foi est également une occasion de reviser notre propre vie en méditant les 14 stations de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de relire notre vie à la lumière de la résurrection. Prions. Seigneur Jésus, dans l'histoire de l'humanité, tu as manifesté ton amour pour l'homme et tu nous invites aujourd'hui à en faire autant. Seigneur, nous pensons à ceux de nos frères et de nos sœurs qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Tous ceux qui ont été arrachés de notre affection à cause de la pandémie ou autre maladie. Nous portons tous les souffrants, tout le personnel médical, nos forces de sécurité et de défense, nos familles. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Première station. Jésus est condamné à mort. De l'Évangile selon saint Luc, Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient. Crucifie-le! Crucifie-le! Pour la troisième fois, il leur dit, quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais
ils insistaient à grands cris, réclamaient qu'ils soient crucifiés. Et il leur crie s'amplifiait. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha Jésus, il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre. Et il livra Jésus à leur bon plaisir. Parole du Seigneur. C'est évident, Pilate a peur de perdre son trône. Il a du mal à affronter le doigt accusateur et les foules déchaînées et à dire le droit. Jésus condamné à la peine capitale alors qu'il est innocent. Comme un agneau se laisse faire. Pilate s'en décharge sur la foule et s'en lave les mains. Il le livre pour qu'il soit crucifié. Il ne veut plus rien savoir de lui. Pour lui, l'affaire est close. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as prié pour ton Père, qui as prié ton Père en disant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aucune offense n'est impardonnable à tes yeux. Pourvu que le pécheur ait une profondeur dans sa sincérité de regret pour une repentance. Alors, quand j'ai du mal à pardonner à ceux qui m'ont offensé, donne-moi la force, donne-moi ta force, car c'est en pardonnant que je suis pardonné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Première épître de Saint Pierre. Jésus a porté nos péchés dans son corps sur le bois afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais
À présent, vous êtes retourné vers votre berger, le gardien de vos âmes. Ce n'est pas seulement le poids de la croix que porte Jésus, c'est aussi le poids de toutes les injustices, notamment celles qui provoquent les crises économiques, avec leurs graves conséquences sociales, puis chères, précarité, chômage, licenciement, l'argent qui gouverne au lieu de servir, les suicides, la corruption, etc. C'est tout cela que Jésus porte sur ses épaules. Nos agents de santé portent aussi nos malades comme Jésus pour leur apporter soulagement, réconfort et guérison. Jésus, tous ensemble, à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais à créer des ponts de solidarité, d'espérance entre les hommes. Portant les croix les uns les autres, et nous rendrons ces croix légères. Pasteur devant son troupeau, éclaire notre intelligence, notre esprit et notre foi. Toi, notre maître souverain, apprends-nous à être soucieux de ceux et celles qui vivent dans la souffrance et dans l'ignorance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Jésus tombe pour la première fois. Livre d'Isaïe. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. À cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur nous. Jésus était un humain, très humain, donc fragile. La preuve, il tombe par terre, dans la poussière, face au poids et à la fatigue.
Mais dans cette chute, il nous enseigne à accepter nos fragilités ainsi que celles de nos frères et sœurs, nos échecs, nos limites. En effet, vouloir le bien est à notre portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas faire, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Jésus nous enseigne à ne pas nous acharner sur celui ou celle qui est tombé, à ne pas être indifférent envers celui ou celle qui tombe. Comment pouvoir combattre le péché sans pourtant combattre le pécheur? Comment pouvoir combattre la faute sans pourtant combattre le fautif? Seul Jésus peut nous l'apprendre. Endurer les injustices avec patience est vu comme une faiblesse aux yeux des hommes. Mais c'est une force aux yeux de Dieu. Renoncer à répondre à l'injure par l'injure ne signifie pas qu'on n'a pas la langue, mais qu'on maîtrise sa langue. Seigneur, donne-nous l'esprit de patience. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait humble pour racheter l'homme de toutes ses fragilités, rends-nous capables d'endurer les insultes, les moqueries et les attaques de nos frères et sœurs avec patience et persévérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon est béni. Puis il dit à Marie, sa mère, voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. Cette rencontre de Jésus avec sa maman est chargée d'émotions. C'est l'invincible force de l'amour maternel qui surpasse tout obstacle et ouvre
toutes les portes qui s'expriment ici. Le regard de la maman donne sans doute la force et le reconfort au fils. En même temps, Marie porte son regard sur toutes les mamans en peine, par pour leurs enfants mourants ou souffrants ou emprisonnés. Marie intercède pour nous comme autrefois à Cana. Ô Sainte Vierge Marie, Mère de douleur, tu sais les souffrances de chacun d'entre nous. Tu sais les souffrances de toutes nos familles, de notre pays, du monde entier, devant la pandémie de la maladie. Daigne offrir aujourd'hui à ton Fils tout ce que nous faisons, tout ce que nous souffrons, tout ce que nous faisons souffrir à nos frères et à nos sœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oh, pitié de nos seigneurs. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. De l'évangile selon saint Marc, il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus et de Rufus, qui revenait des champs. Une rencontre banale peut parfois devenir décisive, voire la rencontre de notre vie. Cette rencontre fortuite sur le chemin du Golgotha transformera la vie du paysan de Cyrène. Il nous faut être vigilants pour ne pas manquer le moment où le Seigneur vient nous visiter. Si je vis ma vie juste pour moi, elle s'étouffe. Si je la partage avec les autres, elle s'épanouit et donne du fruit en abondance. Et qui donc
et mon prochain. Qui donc est mon frère? Le chrétien est appelé à voir dans chaque être humain l'image de Dieu. Il doit voir, surtout, dans le visage des personnes en souffrance, notamment les malades, le visage de Jésus souffrant. C'est Jésus lui-même qui me le rappelle chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Seigneur Jésus, dans l'ami de Cyrène, vivre le cœur de ton Église, qui se fait la maison d'amour pour tous ceux et toutes celles qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. L'aide et la présence fraternelle constituent le premier médicament. Ne permet pas que notre égoïsme nous fasse passer à côté d'un malade avec indifférence, mais aide-nous, Seigneur, à verser l'huile de la consolation sur les blessures du prochain, sans fuir et sans jamais nous fatiguer de choisir la fraternité. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Véronique essuie le visage de Jésus. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu, mon salut. Jésus, fatigué, poussiéreux, couvert de sang, mais la lumière sur son visage demeure intacte. Cette lumière brille toujours. Sa beauté divine ne peut être défigurée. Les crachats ne l'ont pas obscurci. Les gifles ne sont pas arrivées
à l'éteindre. Ce visage apparaît comme un buisson ardent qui, plus il est outragé, plus il réussit à émettre une lumière de salut. La tendresse et la douceur sont les caractéristiques féminines. Véronique représente ici la vraie image féminine de la tendresse. Le Seigneur, lui, incarne ici notre besoin de nous sentir aimés et protégés par des gestes empressés et prévenants. Les caresses de cette créature se baignent de sang précieux de Jésus et semblent enlever les actes de profanation qu'il a subis. En Jésus, Véronique reconnaît tout prochain à consoler pour rejoindre les gémissements de douleur de tous ceux qui aujourd'hui ne reçoivent ni assistance, ni chaleur, ni compassion, et meurent dans la solitude. Seigneur Jésus, tu as ressenti profondément abandon et affliction. Tu sais aussi combien notre monde est plein de personnes dans cette même situation. Inspire-nous, Seigneur, le geste qui console, quand il faut, au bon moment. Sans toi, nous ne pouvons donner aucune consolation. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Jésus tombe pour la seconde fois. Elles m'ont cerné, encerclé. Elles m'ont cerné comme des guêpes. Ce n'était qu'un feu de ronce. Au nom du Seigneur, je l'ai détruit. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Il m'a frappé. Le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Le psaume.
Vraiment, Jésus, t'accomplissent les prophéties d'Isaïe sur le serviteur humble et obéissant qui prend sur lui toute notre histoire douloureuse. Le voilà une fois de plus qui s'écroule par terre sous le poids de la fatigue et de l'oppression, entouré par la violence, privé désormais de force, toujours seul, toujours plus dans les ténèbres, torturé dans sa chair, affaibli dans son âme. Seigneur Jésus, c'est à cause de moi, pour moi, que tu es tombé. À cause de la bêtise humaine, le monde est malade. À nos nombreux péchés, à nos infidélités, tu réponds par un amour de prédilection. À cause de moi, pour moi, tu as connu la prison avec ses souffrances. Aujourd'hui encore, il y a des juges qui signent des condamnations injustes, soit parce qu'ils ont reçu de l'argent à cause de la corruption, soit par peur, soit pour se débarrasser, fait que, soutenu par ta grâce, nous cherchons toujours la vérité. Donne-nous de nous tenir aux côtés du faible, du laissé pour compte. Seigneur Jésus, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. De l'Évangile selon saint Luc. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Les figures féminines se présentent le long du chemin de croix comme des flambeaux allumés. Elles sont prêtes
à rencontrer le Seigneur et à le consoler, tout comme elles le suivent bien avant, le soutenant de leur bien et de leur attention. Jésus est là devant elles. Elles aussi sont là, promptes à lui donner cette émotion chaleureuse que le cœur ne peut plus refréner. Elle le regarde d'abord de loin, mais elle se rapproche ensuite, comme fait tout ami, tout frère ou sœur, quand il s'approche et ou aperçoit un être aimé. Seigneur Jésus, toi qui, dès avant la naissance, portais le nom si éloquent de merveilleux conseiller, inspire-nous la parole et le geste qui sauve. Inspire nos dirigeants, nos gouvernants, toutes nos autorités, pour qu'ils prennent des décisions justes et opportunes pour le bien des populations. Apprends-nous à faire des remarques, à conseiller et à guider dans la vérité et dans la charité. Apprends-nous aussi à accepter humblement les remarques, les interpellations et les conseils des autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Du livre de Romains. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Tomber une fois, deux fois, trois fois, c'est le compte. Jésus semble dire, comme nous, dans beaucoup de moments sombres de notre vie, je n'en peux plus. Prends ma vie et qu'on en finisse. Il clame ainsi
le cri de ceux qui sont persécutés, des mourants, des malades, en phase terminale, des opprimés sans défense. Mais nous le savons, il se relève pour poursuivre son chemin jusqu'au bout, témoignant ainsi qu'il nous faut toujours entrevoir et entretenir l'espérance envers et contre tout. Comme la femme en douleur d'enfantement qui pense qu'elle tiendra bientôt son bébé entre ses bras. En contemplant notre Seigneur tombé, en regardant notre humanité qui semble en péril, nous réalisons qu'avec Dieu, l'espérance est toujours permise. Puisque Jésus doucement se relève, notre Dieu est celui qui organise la fête au retour de l'enfant prodigue et égaré. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il travaille à ce qu'il se convertisse et vive. Seigneur Jésus, toi qui relèves le misérable de la poussière et le retire et retire le pauvre de la cendre, tu ne désires pas la mort du pécheur. Donne-nous le savoir, comme toi, combattre le péché sans nous attaquer au pécheur. Comme tu as su sortir la pécheresse de la lapidation imminente, apprends-nous à tendre la main au pécheur au lieu de le rejeter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'évangile selon saint Jean. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura.
Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Jésus innocent a été dénudé et torturé devant tous. En lui, reconnaissant la dignité violée de tous les innocents, spécialement des petits, Dieu n'a pas empêché que son corps dépouillé soit exposé sur la croix. Il l'a fait pour racheter chaque abus injustement couvert et démontrer que lui, Dieu, est irréprochablement du côté des victimes, des laissés pour compte. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons redécouvrir l'innocence comme les enfants pour pouvoir entrer dans ton royaume, car nous avons beaucoup péché. Purifie-nous de nos souillures et de nos idoles. Donne-nous de ressentir la honte des autres comme étant la nôtre. Qu'à l'exemple de Saint Martin de Tours, qui avait partagé son manteau en deux pour donner une part à un pauvre qui souffrait du froid, nous acceptions de nous revêtir pour habiller celui ou celle qui se trouve être nu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes depuis les trépassés reposent en paix. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades et les pécheurs. Changez-vous que croyez à la bonne nouvelle. Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus est crucifié. De l'évangile selon saint Marc. Alors, il le crucifie. Puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9h du matin. Lorsqu'on le crucifia, l'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche.
Les soldats ont crucifié Jésus. Lui, il se voit réserver la peine des traîtres, la peine des esclaves rebelles. Aujourd'hui encore, comme Jésus, beaucoup de nos frères et de nos sœurs sont cloués sur un lit de douleur, dans les hôpitaux, dans les orphelinats, dans les maisons de retraite, ou même dans leur propre maison, dans nos familles. Ils manquent souvent du strict nécessaire, jusqu'à la nourriture. Dans notre angoisse et notre, nous avons envie de crier comme Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Seigneur Jésus, quand nos mains se soient jamais pour transpercer les autres, mais pour les toucher avec tendresse et les consoler. Apprends-nous à partager notre pain avec ceux et celles qui ont faim. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Jésus meurt sur la croix. De l'évangile selon saint Jean. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : j'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa d'une éponge remplie de vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : tout est accompli. Puis, en inclinant la tête, il remit l'esprit. Méditons les sept dernières paroles de Jésus sur la croix. Jésus, lentement,
avec des pas qui sont aussi les nôtres, traverse toute l'obscurité de la nuit pour s'abandonner avec confiance entre les bras du Père. C'est le gémissement des mourants, le cri des désespérés, l'invocation des perdants, c'est Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri de Job, c'est le cri de tout homme frappé par le malheur, le cri de notre monde aujourd'hui. Et Dieu semble se taire. Il se tait parce que sa réponse est là. Sur à quoi? C'est lui Jésus, la réponse de Dieu. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. On a raison d'espérer le salut jusqu'à la dernière seconde. Femme, voici ton fils. Marie et Jean sont sous la croix. Comme pour nous. Si à côté de notre lit de douleur, il y a quelqu'un qui nous aime fidèlement jusqu'où? J'ai soif, comme l'enfant demande à boire à sa maman. La soif de Jésus est celle de tous les assoiffés de vie, tous les assoiffés de liberté, tous les assoiffés de justice. C'est la soif du plus grand assoiffé, Dieu, qui infiniment plus que nous a soif de notre salut. Les fidèles du monde entier ont soif de retrouver leur vie de foi en Église. Tout est accompli. Tout, chaque parole, chaque geste, chaque prophétie, chaque instant de la vie de Jésus, tout est devenu amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon nous renouvelle, nous guérit, nous transforme et nous console. Il nous recrée. Il arrête les guerres. Il ressuscite les morts. Et nous maintient en vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce n'est plus la désespérance du vide, non. On tombe dans les mains douces de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, tu as soif de ton amour, tu as soif de mon amour. En ressentant la soif durant ce carême et durant les vendredis particulièrement, fais-moi comprendre la soif des assoiffés du monde. Creuse en moi la soif de vraiment te rechercher dans ces mourants de solitude.
apprends-moi à persévérer et à préserver la nature et l'environnement, à ne pas gaspiller l'eau, source de vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes depuis l'être passé reposent en paix. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avoir abandonné? Ignorant ma prière, il est mort. Troisième station. Jésus est descendu de la croix. De l'évangile selon saint Matthieu. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathée, qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi un ami de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Admirant cette belle icône de l'amour jusqu'au bout. La mort n'empêche pas le dernier baiser de la mère à son enfant. La mort ne peut rompre l'amour, car l'amour est plus fort que la mort. Comme icône, cette icône est appelée simplement Pietà, qui signifie alors se faire proche des frères qui sont dans le deuil et sont inconsolables. Aimer jusqu'au bout est l'enseignement suprême que nous ont laissé Jésus et Marie. Prions. Seigneur Jésus, durant ta vie sur terre, tu as soigné les malades, car rien n'est impossible pour celui qui croit. Je joins ma voix à celle de tous les croyants du monde qui t'invoquent pour que tu guérisses notre humanité de cette pandémie de la COVID-19. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes depuis l'être effacées reposent en paix. Amen. Oh, Jésus.
14e station. Jésus est mis au tombeau. De l'évangile selon saint Jean. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ce jardin où se trouve le tombeau de Jésus s'appelle un autre jardin, rappelle un autre jardin, celui d'Éden. Un jardin qui, à cause de la désobéissance, a perdu sa beauté et est devenu désolation, lieu de mort, et non plus jardin de vie. La mort nous désarme, nous fait comprendre que nous sommes exposés à une existence terrestre qui a une fin. Mais c'est devant ce corps de Jésus au tombeau que nous prenons conscience de qui nous sommes, des créatures qui, pour ne pas mourir, ont besoin de leur Créateur. Ensevelir les morts et leur assurer des obsèques dignes, le dernier honneur qu'on procure à un être humain. Mais en cette période de confinement, des mesures strictes à observer pour freiner la propagation du virus COVID-19 est une difficulté profonde, une épreuve en plus. Mais Dieu s'occupera plus de nos morts. Seigneur, mon cœur exulte, mes entrailles jubilent et ma chair reposera en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme à la mort. Et tu ne peux laisser ton ami voir la fosse. Tu m'apprendras le chemin de la vie. Devant ta face, plénitude de joie, à ta droite, délice éternelle, comme le chant du psalmiste. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prends pitié de nos seigneurs. Prends pitié. Par la miséricorde de Dieu, les âmes de fidèles trépassés reposent en paix. Amen. En la croix du Christ Dieu, Seigneur, levé et rassemblé.
Seigneur Jésus, merci de nous avoir permis une fois de plus de monter avec toi au Golgotha. Avec toi, nous avons marché, même en étant sur place et en portant la croix. Nous sommes tombés et nous sommes relevés. Avec toi, nous nous sommes laissés consoler et nous avons consolé nos frères et sœurs. Nous nous sommes laissés aider et nous avons aidé. Nous t'en supplions à présent. Fais que nos efforts portent du fruit en abondance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du nos espérances et nos